Ok. On va faire décoller cette fusée. Qui va partir avec 30 métaux rares, donc qui va rapporter 1 milliard de thunes. Ensuite, on va poser un petit peu ça pour avoir de la bouffe. Là, on va avoir un arrivage de 200 de bouffe, 300 de bouffe quasiment. Le truc, c'est ça, ça ne tanque pas. Ah, quoique. En fait, il y a tout qui se prod un peu en même temps. Du coup, c'est vrai que c'est. C'est un peu la merde, quoi. Lourde charge de travail. Voyons voir. En fait, là, d'un coup, on va avoir un arrivage de plein de bouffe d'un coup, je crois. Pas trop compris comment ça marche. Faudrait que je regarde. 14-8. Voyons voir. Genre là, est-ce qu'on va avoir 14 de bouffe qui va pop instant comme ça? J'attends 32. Ouais, je sais que les colons sont affamés, je sais. 14-7. Je regarde juste comment ça marche. Parce que là, ça va être d'un coup. 14-6. Je peux aussi poser ma capsule, mais... Voilà, pouf. Ah ouais, effectivement, c'est arrivé d'un coup. Ouais, ok. Donc en fait, on va vraiment avoir un moment où je vais avoir beaucoup de bouffe d'un coup. Là, quand tout ça, ça va se terminer. Et après, faut tenir le coup pour le reste, quoi. Ouais, bah ouais. Là, j'aurais dû prioriser ça. Ok. Il y a la fusée qui arrive avec de la bouffe bientôt. En route vers la Terre. Ça, on recycle. Place de travail pour la prod. Ouais, je sais, mais là, je voulais juste voir comment ça marchait. C'est vrai que là, ils sont zéro, hein. Et en plus, là, ce qui me tue, c'est qu'on a 61 personnes qui cherchent du travail dans la colonie. Et pourtant... Ça aussi, j'ai du mal à comprendre pour l'instant, parce que je débute. En fait, il y a trop d'ingénieurs. J'ai 182 ingénieurs alors qu'il faudrait des botanistes. Mais on leur dit quand même, accepter n'importe qui, pas forcément que des botanistes. Elle, par exemple, elle est scientifique. Bon, bah, elle vient. Donc, pourquoi il y a 62 personnes qui sont en recherche de travail qui n'y vont pas? C'est ça qui est bizarre. Ah, il est temps de poser de la bouffe, hein, on est à 13. Ça dépend dans quel dôme ils sont. Ouais, non, mais je sais. Mais même, quoi. C'est vrai que peut-être j'ai négligé aussi le... Peut-être j'ai sous-estimé la durée du travel time des déplacements. Peut-être j'ai pas assez collé mes dômes. En même temps, coller ces dômes, c'est chaud parce que... Après, ils servent plus à rien, quoi. Les gens peuvent aller que dans un dôme de range. Hein? Non, je crois pas. Je crois que tout est lié, hein. Voilà, forcément, j'ai commandé masse bouffe, plus les fermes qui vont se terminer. Ouais, qui viennent de se terminer. Donc forcément, là, il y a masse bouffe. Ouais, il y a masse bouffe qui arrive. Mais c'est faussé. Ouais, c'est dur de voir sa vraie consommation de bouffe à intenter. Ok. Extracteur d'eau. Sector scanned. Sector scanned. Où est-ce qu'on va se mettre là? On va se mettre là, tiens. Je sais pas pourquoi. J'essaie de me mettre là où il y a déjà des tuyaux, comme si je pouvais pas en construire. Ridicule. Ridicule. Idiot bête. Allez, on dégage! Des renégats ont saboté un bâtiment! Où? Ils sont allés trop loin cette fois. Là, pareil. Je comprends pas. Ok, des câbles électriques. Oh non, vol de 3 polymères dans le bésodôme. Là c'est bon, ils sont tous reliés. Ah lui non. Oh, tempête de météores. Ça dure 2 jours. 2 jours sur Mars, hein. Ah là ça va être l'apocalypse du coup. C'est pas grave, les navettes et les drones vont s'en charger, ne vous inquiétez pas, ne courez pas, nous sommes vos amis. Oh, à l'aide, fuite détectée. Alors c'est peut-être pas l'idéal de construire des bâtiments dans cette ambiance, mais les notifs,
C'est pas grave, regardez, si je les enlève, elles existent plus et tout va bien dans la colonie. Voilà. Tout va bien s'il n'y a plus de notifs. Oh, en plein dans la gueule. On a connu une défaillance. Ne courez pas. Nous sommes vos amis. Moins 15 en eau. Mais c'est normal. Réseau d'alimentation divisé. 2. Là aussi. 2 polymères pour réparer. Ça va, il faudrait un peu de métal probablement. On va en commander parce qu'il va falloir réparer énormément de trucs. 10. 10. J'ai un peu de ressources, j'ai un peu de réserve en eau. Oula, les réserves en eau! Oula, la, la, la! Oh, on n'a pas beaucoup de réserves en eau, hein. Là, on dirait qu'on s'approche de la... Ouais, de la pénurie d'eau, hein. De la sécheresse. Ah ouais, ouais, ouais. Là, ça pue un peu, là, hein. Et c'est vrai que ça aussi, ça consomme un peu plus d'eau que tout à l'heure. Point positif, tes drones vont récupérer du métal sur les météorites. Oui, c'est vrai que quand elles tombent, j'avais vu ça la dernière fois. Effectivement. On a ça, effectivement. On a ça en positif. Ah ouais, demande d'eau 28, production d'eau 29. C'est bon, c'est reparti à la hausse. Maintenant que ça répare, faut juste éviter les fuites. On est en positif de partout. Plus qu'un jour de météorites dans la gueule. À l'aide. Anomaly found. On n'a pas trop scanné les anomalies. J'aimerais bien réussir à scanner toute la map. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que je peux rescanner les secteurs maintenant. J'aimerais bien réussir à scanner toute la map au moins en surface. J'avais envie d'essayer de faire ça avant de crever. Je sais pas si on va y arriver. Je sais pas si on va y arriver, les amis. Moins 13. Oh, mais là, c'est la fin, là. C'est rip. Elle est où, la fuite? Elle est là. Non, elle a été réparée. Elle est là. Elle est en train d'être réparée. Bzz, bzz. Ah oui, là, faut carrément refaire le... Ok. Ouf. Quel merdier! Dôme sans système de survie. Oh, cool! Oh, ça tue, ça! Ça déchire quand je vois ce message d'erreur. Ok. Les colons sont menacés par la soif! Ouais, mais est-ce que c'est vraiment la soif? Est-ce qu'ils ont vraiment soif, genre? Non, mais c'est parce que les vaporisateurs marchent plus. Parce qu'il faut faut réparer avec le métal. Resources are low. Bah ouais. Eh bah ouais. C'est pas vraiment la soif. On est à moins 2, c'est bon, ils ont moins soif. Réserve d'eau 5. Oh mon dieu. Réserve d'eau 5,8. On est quand même pas au max, hein. Putain, moins 2. Et là, il y en a un qui marche pas encore, parce que normalement, je devrais être en positif quand même, hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pas assez d'eau. Bah tu sais quoi? Hop, t'as qu'à t'arrêter un peu. Toi pareil, t'as qu'à t'arrêter un petit peu vite fait. Juste vite fait, le temps que les gens boivent. Le temps que les gens reboivent un peu là. Juste vite fait quoi. Bon, on fait plus de polymères, mais on en a 141, ça va. Ça va. Oh, fuite détectée. Non mais c'est normal, de toute façon tant qu'il y a la pluie de météorites, ça vient de se terminer. Non, 17h. 17h. Ouais, tant qu'il y a la pluie de météorites, j'avoue que ça va être un peu compliqué, hein. Et vous avez plus d'eau. Eh, plus d'eau non plus. Non, mais c'est pas grave. Laissez les gens boire. Vite fait. Boivez. 0,5 de surplus d'eau, c'est pas beaucoup. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est... C'est pas dingue. Après, on en avait stocké un peu. C'est dommage, hein. Changer d'affichage, ça veut dire quoi, ça? Ah, oui, oui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Fuite détectée. Non mais là, bon, il y a une pluie de météorites. Bon, c'est quand même pas de chance. On a 4 d'eau. Regardez comment on stocke de l'eau. On est à 4. À 1. On est à 1 maintenant. Et parce qu'en fonction des heures du jour et de la nuit, ça fait mal. Oh, les patates qui sont trop puissantes là. 90% du sol. Et lui, 40%. Ils n'arrivent pas à stocker. Oh là 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 là, système de survie divisé. Oh non, ça, non, faut réparer. Sector scanned. Anomaly found. Réserve d'eau 27. Et là, le météore tombe sur le dôme des cubes noirs. Comment vont-ils réagir? Ils ont l'habitude, hein. Ils savent faire. En recherche, on est comment, là? J'ai cru qu'on recherchait rien. Les bâtiments hors dôme nécessitent une maintenance moins régulière. Ça, c'est vraiment une bonne amélioration. Pour le coup.
Ça, c'est bien aussi. J'avais commencé à le faire. C'était déjà à 35%. Oh, une nouvelle recherche. Éponge triboélectrique. Émet des pulsations qui réduisent l'accumulation de poussière sur les bâtiments à portée. Ouais, bon. Hein. Voilà. Si tu ouvres plus de shift pour tes employés, ça peut réduire le nombre de chômeurs ou pas du tout? Bah, je crois pas. Ouais, non, mais là, les 100 emplois, 72, vraiment, ça me mine. Hein. Quand je sais qu'il y a 15 emplois à prendre. Après, là, c'est parce que j'ai fermé des bâtiments. Donc là, my bad. Bâtiment au gisement épuisé 1. Oh, ça, c'est, ça m'arrange pas du tout, ça. Il y a plus de métaux ici. Donc là, on récolte officiellement plus aucun métal. Fusée Houston est devenu fou et s'est suicidé. Il s'appelle Fusée, lui. Il s'appelle Fusée Houston. C'est même bizarre comme nom, non? Un peu bizarre. Ce gisement peut pas être exploité? Oh, peut-être que si, attendez. Ah mais non, il faut que ce soit collé celui-là, je crois. Dommage. Ah oh là là, à un pixel. Après je pourrais aller là, mais il y a de l'eau ici. Ouais, il y a deux d'eau ici, là. Pff, si loin, trois d'eau. Ah, mais ça, je l'ai dit, non, j'ai pas besoin d'ouvrier pour l'eau. Il faut que j'arrête de dire des conneries. Mais maintenant que j'ai des navettes, est-ce que... Je vais tester un truc. Tant qu'on est sur la partie test. Extracteur d'eau. Aucun contrôleur de drone actif à portée. Alors ça, c'est pas grave, parce qu'en fait... Commandant télécommandé. Hop. Là, si je fais un petit dépôt universel ici, mes navettes, elles vont amener des trucs. En fait, maintenant que j'ai des navettes... Ah oui, il faut que j'amène le truc. Ok, vas-y, viens. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les tunnels et tout. Là, il y a de l'eau, ça fait de l'eau. Bah, quitte à faire, on devrait le mettre là-bas. Bon. Peu importe. C'est vrai que je pourrais peut-être aplanir. Hein. Ça nous ferait du bien. Ça nous ferait du bien d'aplanir un peu. Donc là, si je fais un dépôt universel. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, ils vont... On cherchait du métal. Ok. Et qu'ensuite on se dit. Extracteur d'eau. 1. 2. On en fait 2. Bon bah 2. Voilà. Top. C'est pas grave s'ils sont collés et qu'ils sont moins efficaces. Ok. Voilà. Et là, les câbles. Là, normalement, les navettes, elles carry ce truc. Ouais, c'est ça que j'aurais dû faire. J'ai été un peu con, en fait. En fait, c'est trop easy, l'eau. Aucun contrôle d'autonomie actif à portée. Mais si, en fait, vous savez pas, mais si. Hein? Oula, bizarre. Bizarre. Attendez. Allez, sors! Pff, c'est un peu mal fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce qu'ils le sont, mais en profondeur, c'est ça? En fait, depuis tout à l'heure, ils sont reliés. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, bon, ça a l'air... on verra. Ça a l'air de fonctionner, enfin, je crois. Ah mais là ils ont pas de matériel. Ok. Et là ils l'ont. Donc là ils vont aller chercher. Parce que là les navettes elles vont m'amener des trucs pour faire les câbles. Et ils vont faire les câbles. Je pense, non? Il faut d'abord qu'il y ait des navettes disponibles. Faudrait que je fasse d'autres navettes d'ailleurs. Mais j'ai 0 de métal. 0 pointé de métal. Bon le 0 de métal c'est un énorme problème. Ouais c'est un énorme problème. Il y a un lien qui date un peu tes prochains events. Oui. C'est infocovid.gouv. Il y a la liste de tous mes prochains events, leurs dates, combien il y aura de place. C'est un site assez fiable hein, pour les infos de mes events. Si jamais tu veux savoir. Ah ouais, ça coûte des métaux de faire des câbles. Putain. Enfin, je veux dire, zut. Oups. Ok, alors attends. Voilà.
Ouais, pas de câble, pas de métal, pas de câble. Très bien. Excellent. Excellent, excellent. Non, pas excellent du tout. Ça, il y aura de l'eau. Ça va être bien quand il y aura de l'eau. On a la fusée qui va arriver. Voilà. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Voilà. Let's go les gars. J'expande à gauche. Je suis en train de all-in. All-in pour la survie de ma colonie. Je crois qu'ils sont construits avec quoi les câbles? Je sais pas, avec du béton. Des câbles en béton là, des bons câbles en béton là, miam miam miam. Les câbles en béton. Vous savez quoi, on va faire ça après hein. Je crois que j'ai pas le choix. Des bons câbles en béton là. Là on est à 90 millions. 90 millions, c'est pas dingue. C'est bien quand même que je fasse atterrir des fusées comme ça elles repartent avec de la thune. Donc de temps en temps, faut que j'amène des fusées quand même. Pas rigoler avec ça. Ouais, ça aussi ça demande des métaux. Ouais, vraiment, faut que je fasse du métal là. Je peux pas Ou alors je fais ça. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Hein. C'est vrai qu'il y a ça. J'ai pas du tout fait ça. J'ai pas du tout fait les expéditions. Satellite SETI. En fait, ça coûte du métal. Ouais, en fait... En fait, c'est toujours pareil, quoi. Ça demande 10 personnes. Ouais, faut que je fasse venir des fusées. Il me faut de la thune. Il a fait 0 explos. Bah, non, si, j'en ai fait. Mais pas beaucoup. En effet, mais pas beaucoup. Et surtout, bah, j'ai pas fait de tunnel. Je peux pas encore scanner mes anomalies. Oh ! Alors, peut-être ! Alpha Cast ! Merci beaucoup pour le host AlphaCast. On est en train de jouer à Surviving Mars, mesdames et messieurs. On essaye de survivre sur Mars. Voilà, c'est insane. Et bah c'est ma toute première partie qu'on a commencé il y a 2 jours. Et ça se passe comme ça doit se passer pour une première partie, je dirais. Donc plutôt très bien pour une première game, mais avec beaucoup d'erreurs, évidemment. Et beaucoup de naïveté, j'ai envie de dire. Mais on est plutôt content. On est plutôt content du résultat. Nous n'avons pas à rougir, en un mot. Les gens restent, ils arrêtent de partir de la colonie. Ah bah là, on a 531 habitants. De temps en temps, il y a des gens qui meurent parce que bon, ils sont pas motivés. On a des gens qui sont pas motivés. Ah oui, et aussi, c'est la famine. Oui, voilà. Ça, c'est le petit détail. On doit commander de la bouffe régulièrement parce qu'on n'arrive pas à nourrir le peuple. D'ailleurs, là, le peuple va crever, hein, d'ailleurs. Again. De temps en temps, le peuple crève. Et puis ça va mieux, et puis ils reviennent, et puis machin. Donc voilà. Non, mais ça se passe. Eh bien, il faut se forcer. Là, on a du métal, par exemple. Là, regardez, là, on est en train de faire de l'eau, par exemple. Voilà, des choses simples. Des choses simples, on essaye de boire. Les gens essayent de boire, globalement. Des choses assez simples de la vie. Mais ça va. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Oui? Non! Non, c'est fini! C'est fini! C'est plus mon anniversaire, c'était hier. Dommage. On a 22 dos! 22 dos! Allez hop, on va redémarrer les usines à polymères, on va redémarrer les fermes fongiques! Très bien, maintenant qu'on produit 1 milliard d'eau, ça, on va en plus les améliorer. Ah, ils sont déjà mis à nu! What the fuck? Ok, cool! Hein, maintenant. Maintenant, des câbles. Avant qu'on en pète un, justement. De câbles. Alors là, ce qui serait super intéressant, c'est d'aller chercher ce truc d'eau ici. Mais on en a pas besoin, on est à 14 d'eau. Laisse tomber. L'eau, c'est réglé. C'est la nuit, les amis. Donc, c'est bleu. Oh, il est resté en violet là-bas. Bah, allô? Oh, ça va? Je crois que c'est normal. Non, c'est pas normal. Normal?
Toujours pas d'augmentation de la monnaie. Oh, c'est normal. C'est parce que il faut qu'elle reparte, faut que la fusée reparte. Regardez, là elle repart. Je suis obligé de la faire repartir. J'aurais pu lancer une expédition, mais là je suis obligé de la faire repartir. Parce qu'il me faut un peu de thunes. Et surtout, ce qui va nous sauver, c'est la recherche pour le financement. Ici. Que je peux pas sous-traiter, évidemment, parce que j'ai pas d'argent. Pas déconner. Le jour n'est pas fini tant que tu dors pas, donc joyeux anniversaire quand même. Ouais, bien vu. Hein. Ah, mais attendez. Pourquoi j'ai pas de câble? Obstacle. Oh, il y a une décharge là. Une décharge qui pue. Ok, énorme. Hop. Voilà. Mais. Est-ce qu'on peut faire ça? Genre le bâtiment, ça fonctionne aussi comme un truc en série? Je pense que oui. Je fais pas les 3-8 pour la production de nourriture. Bah, en fait. En fait, j'ai quand même l'impression que ce que j'ai fait, ça fonctionne. En fait, on n'arrive pas trop à stocker. Mais j'ai quand même l'impression que ça fonctionne. Malgré tout. Anomaly analyzed. Pourquoi est-ce que je suis en train de fumer le sol, là? Je crois. Resources are low. Nécessite plus d'eau, ouais, bah ouais. Votre récolte pousse lentement. Parce que ça, c'est quoi? 4 sols. Ça, c'est 4 sols. C'est 16, c'est 20. Non, c'est mieux, hein. Anomalie analysée, 20, 1200 de recherche scannée, 1150 de recherche. C'est vrai que des anomalies, il y en a beaucoup, hein, de plus en plus. Et pour monter. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Eau profonde. Ah oui! La jachère. Je fais de la jachère! Je fais de la jachère, peu cher. Jachère. Et ça, jachère. Il faut que. Des dômes. Des dômes. Est-ce que ça vaut le coup d'aller expandre par là? Pas vraiment. Il n'y a qu'un gisement de métal. Ça, c'est le dôme de mes potes extraterrestres. Vous inquiétez pas, tout va bien. La famine, là. Quoi, la famine? Ça va? On a faim. Quoi, on a faim? Ben oui, colon affamé 106. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut manger. Allez, il faut aller au magasin. Il faut acheter de la bouffe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le bâtiment a besoin d'un pour reprendre son activité. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai 381 de bouffe, les gens crèvent de faim. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas. Non, mais je pense que c'est parce qu'il y a eu trop peu de bouffe à un moment, du coup c'était la merde. Oui, mais on n'y arrive pas. Eh bien, il faut se forcer. Je sais pas. Je crois que c'est le gérant du magasin. Ah, il y a un peu de bouffe. Ok. Fusée. Cargo. Métal. Famine, bah ouais, colon affamé, 55, bah ouais, mais en fait, il y a de la bouffe, hein. Là, on sait toujours pas pourquoi eux, ils veulent pas travailler là-dedans. 71 personnes cherchent du travail, hein. Ces trois bâtiments cherchent des gens. Personne veut bosser dedans. Bah tant pis, hein. tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors que Zmuniz offre 5 subs, merci beaucoup. Merci beaucoup, Zmuniz, pour les 5 subs offerts à la Zerator Télévision. Dôme rudimentaire. On y va. Attendez, faisons-le le plus loin possible quand même. Qu'est-ce qu'on doit enlever là? On doit enlever ça. Ah non, on pourra pas, il faut enlever ça. Appartement. Adieu. Même si ta première partie avec le DLC Terraformation, tu aurais une meilleure expérience. C'est avec ce DLC que le jeu devient vraiment ce qu'il est censé être à mon sens. En tout cas, je te conseille de check un petit trailer pour voir à quoi ça ressemblait. Bon anniversaire hier, du coup j'aurais dû t'acheter le même bracelet que ma copine et vu que vous êtes du même jour. Hein? Ah, ne fais pas suicider tes colons. Non mais t'inquiète, en fait honnêtement je pense que j'ai vraiment, je ne rougis pas du tout de ma première game. Hein. Je suis plutôt content en réalité. Alors par contre là ce qui m'ennuie, pour être poli, ok on va aplanir. En plus, il y a une grosse décharge à côté, c'est parfait. Oui? Dépression. Qu'est-ce qu'il y a? Après avoir souffert de dépression, la victime a couru vers le sas du dôme, a mis une combinaison spatiale et a volé un rover. Montrez-moi l'ennemi, Joe l'important, et je le réduirai en bouillie de toute évidence.
Zornica Petrova veut que vous nommiez une cible. Inutile de recourir à la violence. Zornica Petrova est sauvée. Bien joué, bravo. Colon affamé 72. Incompréhensible. Il y a de la bouffe en veux-tu en voilà. Il n'y a jamais eu autant de bouffe dans le dôme. Jamais, ce n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu autant de bouffe. Et ils sont en mode, qu'est-ce qu'on crève de faim. Ils sont là, ils sont devant le supermarché, tout est ouvert, tout est même gratuit. Et ils sont là, j'ai si faim. Ah, ah. Ils sont devant un buffet à volonté, avec toute la bouffe. Et ils sont là, oh, mais comment faire pour se nourrir. Oh, c'est impossible. On sait pas, on sait pas, on comprend pas. Vraiment, on ne comprend pas. Tant pis, hein. Tant pis, les gars. Je vais faire deux épiceries en plus, hein. Tant pis. Oh, mais comment faire pour se nourrir. Où puis-je trouver de la nourriture. Oh. Quelle horreur. Eh oui. Oh, je suis si affamé. Quelle horreur. Bon allez, alors, un petit dôme là, un dôme rudimentaire, terrain inégal, ouais je savais que ça ferait ça, en fait j'aimerais éviter de le faire ici, coller vraiment, mais je vais pas avoir le choix je crois, normalement on essaie de gagner du terrain avec les passages, faudrait que je le fasse là, recoupe les gisements, ouais, faudrait que je le fasse genre là en fait, il faut continuer d'aplanir. Oh quoi non oh, oh, sûrement pas les gars non oh, no active research. Alors ça c'est bien un truc qui m'est jamais arrivé depuis que j'ai commencé à jouer. Voilà. Aucune recherche. Dans le doute on va faire le financement, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Le nœud de réseau augmente les résultats de recherche de tous les labos de recherche des instituts Hawking sous le dôme. Oh, c'est trop puissant. Producteur de l'extracteur de métaux rares augmenté de 50%. Merveille, ascenseur spatial. Exporte les métaux rares sur Terre et propose des matériaux de ravitaillement et des ferrofabricants des services essentiels. Trop marrant. Ah, c'est trop bien. Sans les fusées, du coup. Ah, c'est trop puissant. Mais c'est une merveille. C'est si cher après à faire, c'est sûr. À 1000%. Gisement d'eau profonde. Exploite les métaux profonds et les gisements de métaux rares. Je vais faire ça après. Là, il me faut un peu de financement. J'ai 2 milliards, mais ça va fumer. Ça va fumer. D'ailleurs, faisons des... Ok, là je vais faire venir quelques fusées avec des métaux et tout, avec le financement que j'ai, et je vais les garder chez moi. Vu que là j'ai un peu de financement. On va faire venir aussi quoi? On va faire venir... Ouais non, c'est tout. Pas un laser pour dégommer les météores. Non. Alors. J'ai pas encore ça. Ils sont affamés! Oh, j'ai si faim! Il y a 3 épiceries, je ne comprends pas. Tellement cheaté l'ascenseur. Ouais, c'est clair. Hein. C'est clair que c'est Fumax. C'est clair que c'est Fumax au max. Bon, la bouffe, ça a l'air réglé. Hein. Je pense que la bouffe, c'est réglé. Je pense que l'income est bon. L'income est suffisant. A voir si je détruis totalement pas le sol. Mais normalement, avec le jachère... Ces fermes, elles sont bien, hein. Couvert végétal into patate géante, c'est pas mal du tout. Ça me paraît pas mal. J'ai si faim là aussi. Blablabla. Réserve nourriture 10. C'est super. Donc ici, en fait, c'est top parce que les gens pourraient y manger. Mais en fait, vu que personne travaille au restaurant alors qu'il y a 52 emplois, là pareil, bah, malheureusement, les gens se nourrissent pas. C'est quand même dommage. Là pareil, hein. Ils pourraient se régaler. Mais putain, mais vraiment. Voilà. Les stocks sont trop loin. Ouais, bah ouais. Les pots de nourriture sont trop loin, les bâtiments s'alimentent pas. En fait, elles sont où d'ailleurs, toutes les ressources là? En fait, elles sont là, mais comment on fait pour dire ces ressources là, faut qu'elles bougent? Ouais, c'est ça qui se passe. Ok, ça y est, j'ai compris. Ok, j'ai compris.
Ça, ça va peut-être aider. Neuf de métal. Ça, on va le recycler. Ça ne sert plus à rien. J'ai compris. En fait, je pensais que ça, ça a popé directement là-bas, mais je suis un idiot. Ça pouvait pas marcher comme ça, je suis un peu con d'avoir pensé ça. Du coup, ils amènent tout là à chaque fois. Et après, ça fout la merde. Ah, j'apprends, les amis, j'apprends. Ok, la fusée va rentrer en route vers Mars. Non, ça, c'est en route vers la Terre. Ok, là, le métal. Là, ça va me donner du pognon. Entrepôt de bouffe à côté des dômes. Ouais, c'est en cours. C'est là. Alors, il faut que j'amène des métaux, mais... On va amener des métaux et des pièces détachées, mais ça va arriver. De l'eau, il manque de l'eau. Ouais, mais on a 1176 de réserve d'eau, donc là, a priori, pas de problème là-dessus. Ça va le faire. Juste là, à mon avis, il me faut des... Ouais, j'ai l'impression que j'ai... Des fois, j'ai l'impression que j'ai trop de drones, des fois pas assez. Bon, ça dépend de la charge de travail, mais là, la charge de travail est pas si énorme. Quoi ? Ah, défaillant. Ah ouais, putain. Et oui, et en fait, ici, vu qu'il n'y a pas de contrôleur de drone. Ah ouais, merde, en fait, ils peuvent pas réparer. Ah, c'est pour ça qu'il faut quand même toujours pouvoir avoir un petit contrôleur de drone. Mais alors, le contrôleur de drone, le problème, c'est que... Pourquoi il est si énorme, le... Ouais, non, c'est normal, en fait. Je sais pas, est-ce que mes premiers contrôleurs de drone, ils étaient si énormes? Ouais, si, hein, je sais pas pourquoi. Ok. Je l'ai mis pile à la limite, comme ça normalement ils peuvent faire le câble. Ah par contre ils pourront pas, putain, je vais pas pouvoir faire le câble qui va de là à là. Ah quoique, attendez, peut-être qu'on peut tricher. Est-ce que là ça va fonctionner? Je pense que ça fonctionne. Ils se débrouillent super bien, moi ma première game j'ai fait deux dômes, les colons se sont tous suicidés. Ah ouais. C'était en mode, oh la vie est si dure. Bleh. Adieu. En fait, j'ai envie de tilt et de faire 1 milliard de contrôleurs de drones. Je pense que je vais faire ça. En fait, j'ai de l'énergie à revendre, donc là... Vas-y, c'est bon, c'est le tilt. Ça coûte 9 de métal, 8 d'électronique, mais j'en ai du métal. Vas-y, let's go, hein. Let's go les gars. Ah, c'est bon, ça m'a saoulé. Tilté là. Voilà, j'ai tilt. Et on va faire un centre ou deux de navettes en plus là. Voilà, deux centres de navettes, on va construire full navettes. Full gens qui sont affamés. Mais normal en fait. Ils déposent pas la bouffe là. Normal. Je comprends même pas comment c'est possible. Ok, j'ai fini. Ok. Donc maintenant faut faire ça. J'ai fini de scanner toute la map. Par contre, c'est vraiment l'apocalypse dans ma base. Et là, c'est qu'un problème de drone. Parce qu'en fait, là, vu que mes drones, ils sont occupés à construire, du coup, ils peuvent plus amener la bouffe. Parce qu'ils priorisent la construction à la bouffe. Et du coup, c'est la merde. Je me demande même si là, je vais pas faire un petit dépôt de nourriture. Juste là. Voilà, comme ça les navettes elles y déposeront peut-être 2-3 trucs de temps en temps. Ok, les navettes. Allez, construire une navette. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est le tilt, hein. C'est le tilt. 182 drones, ça y est. Parce que là ils amènent tout ici. Stop la nourriture. Stop la nourriture. Amenez-la là. Pourquoi vous l'amenez pas ici? Ah voilà, c'est bon. Enfin, ils ont compris. Parce que là ils continuent d'aller là. Je savais pas pourquoi. Voilà, là les navettes elles prennent. Et normalement elles amènent. Elles amènent là, pourquoi elles amènent là? Bande d'idiotes. Montant désiré. Bah genre 20. Pitié. Ok, voilà, pouf. Voilà, ça va le faire, ça va le faire. Salut à tous, je sors d'une turbo-sieste, il est pas mort de nourriture. Et non, on sait pas trop pourquoi par contre, mais on est vivant. Ça a l'air de fonctionner là. Par contre, j'ai tilté, j'ai fait des navettes en plus, des drones, là c'est l'apocalypse, là ça y est.
Les navettes, c'est bon. Ouais, l'anomalie planétaire. Ouais, il faudrait que je lance ça. Mais là, le problème, c'est que ouais, il me faudrait des fusées en masse. Hein. Faudrait que je commande 4 fusées, en fait. A colonist has died. Tout le monde meurt. Quelle bonne nouvelle. Ok, c'est parti. On va faire un autre dôme. Alors, j'avais dit quoi? J'avais dit le dôme. Ah oui, là, j'avais dit vers le haut. Dôme rudimentaire. On s'en fout. Alors, juste attends. Ah, merci, les amouilles. Dans le chat. Ok, alors là, hop. Ici. Ici. Dôme rudimentaire, ça suffit, c'est suffisant. On est d'accord que là, le passage, il passe? Je pense que oui, hein. Ouais, c'est good. C'est good, c'est good. J'ai 3 de métal, c'est énorme. Hop, fusée cargo, pitié. Hop, une autre fusée cargo. C'est la dernière. Après on arrête. Ils sont en train d'arrêter de mourir de faim, ça c'est beau. Ouais c'est bien, les gens ne meurent plus de faim. Putain, ils font un effort, ils mangent, ça y est, ils ouvrent la bouche. Ils ont enfin compris comment manger. Spécial, succès déverrouillé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que je fais. En fait, je fais plein de hauts faits sur Steam, là. Mais je sais pas trop ce que j'ai fait. Je viens de faire quoi? Obtenez un colon avec 5 talents. Ok. Merci. Merci, merci beaucoup. C'est pas moi le colon avec 5 talents. T'as compris, quoi. Ok. Pourquoi tu fais pas des mines de métal avec tes colons? Bah, ça arrive. En fait, là, je suis en train de scanner en profondeur pour avoir les gisements de métaux. Voilà, genre ça. Ça, typiquement. Sauf que, maintenant, il me faut des recherches pour exploiter ces gisements. Et je pense que je devrais les avoir là. Non. Je sais pas où. Bientôt. Extracteur de métal profond, voilà, c'est ça. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ils ont ouvert la map pour trouver l'épicerie, GG les colons. Oh putain. Mais c'est vrai, on rigole, mais c'est vrai en fait. Merde. Qui sont les gens qui cherchent du travail? Non, on peut pas voir quel type de gens cherchent du travail. Dommage ça. Renégat. Non mais toi, renégat, tu te demandes pourquoi tu cherches du travail? Ouais d'accord, je vois. Bon le confort ils sont pas ouf quand même. Hein. Moi j'en cherche. Mais venez sur ma planète là. Bon la bouffe c'est bon. Ouais la bouffe c'est bon je pense. Bon l'énergie je comprends rien, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est le fait d'avoir fait un nouveau dôme? Bah non normalement. Je pense que je vais refaire un réacteur en fusion. Hein. Je vais en refaire un. Ouais j'en refais un je pense. Voilà ça répare, il y a de l'eau qui tourne, c'est cool. Je vais pouvoir refaire de l'eau ici tout à l'heure. Là vous savez quoi, je vais faire un petit... Ouais non c'est bon, on a fait ça là. Les 20 de métaux qui vont arriver avec la fusée, les 2 fusées qui vont arriver même. Vu la merde ici, on part sans trop de questions. Pour Mars? Ouais je sais pas, hein. Je vais mourir de faim ou quoi? Je vais mourir de faim. Tu cherches un graphiste sur Mars, preneur, ça manque de publicité. Bah ça, il faudrait faire des panneaux pour indiquer aux gens où trouver l'épicerie. C'est dans tes cordes ou pas? Je t'embauche direct, hein. Vraiment c'est... Je t'embauche mais direct, direct tu viens, instant, boum. On va prendre une autre fusée. Les amis, on prend une autre fusée, on prend une autre fusée. Fusée de cargo, du métal. Et un peu de polymère. Non, et un peu de bouffe, je dirais. Voilà, go. Et il nous reste 2 milliards, donc on va encore prendre une fusée, à mon avis. De toute façon, là, il nous faut des fusées en masse. 1, 2, 3, on a 4 fusées possibles. On en reprend une, hein. On a les 4 fusées possibles. Ah non, c'est bon, on a les 4 qui arrivent. On a les 4 en cooldown. Voilà, extracteur de métal profond. Mais là, ça va le faire, là. Là, j'ai décidé, ça y est, faut se bouger le cul au bout d'un moment. D'ailleurs, on avait dit qu'on ferait de l'électricité. On avait dit réacteur à fusion. Ouais, des gens qui meurent. Bah ouais, on sait pas pourquoi. Hein. Je pense qu'ils font exprès, non? Là, il y a beaucoup d'emplois. Tiens, on va le faire ici. Parce que, finalement, un nouveau...
Les emplois sur Mars, là... Là, on va être en plein boom. Hein. Là, typiquement... ça va être vraiment le petit fire, quoi. Le petit feu. The little feu. Ok, une autre fusée. Elle est pas à 30. Dès qu'elle est à 30 de métaux rares... Oh, quoique, elle est qu'à 3. Vas-y, bah casse-toi. Allez, retourne sur Terre. Là, tu vas retourner avec tes trucs. Par contre, elle, elle va pas retourner sur Terre. Interdire l'exportation. Il faut vider les métaux rares de ces trucs. Exportation interdite. Donc là, normalement, il vide le truc. 4 sur 30. Voilà, nickel. Donc là, elle, on va la renommer. On peut la renommer ? Explorer 1. Ah, désolé, j'ai pas trouvé mieux, mais là, là c'est, je suis en cas de crise, là. Je suis vraiment en cas de crise. Où est-ce qu'on peut lui dire ? Voilà, en expédition ! Énorme ! On peut lui cliquer dessus, en fait. Donc, des ressources, des avancer des recherches. Faudrait prendre... Alors, c'est 12 heures le minimum. J'aimerais prendre un truc qui prend pas beaucoup de temps. Ça a l'air d'être 12 heures le minimum. Deux sols, 12 heures. Inventaire supplémentaire, 60 de carburant. Utilisation n'importe lequel, ingénieur. Des ressources, des avancées technologiques. En fait, j'ai peur que l'avancée technologique fasse rien du tout. Inventaire supplémentaire. Ça veut dire que je pourrais en stocker plus. Je comprends pas trop le truc inventaire supplémentaire. Avancement des recherches. Allez, vas-y, on va tenter ça. Envoie 7 scientifiques. Oh, elle part comme ça direct. Ok, let's go les gars. Let's go les gars. Salut, indispensable recrute. Oh, ne beuh que. C'est trop cher, mec. Ah, il y a des gens qui se suicident. Oh, indispensable recrute, pas sur Mars, en tout cas. Ok, donc là, il y a un nouveau dôme. On a un nouveau dôme. C'est toujours une étape importante, n'est-ce pas ? YouTube, c'est la fin de cette VOD.